Le slogan de la campagne était « On gagne ou on gagne ». Au paragraphe 35 du document de notification de charge amendé, l'accusation explique que cela signifiait que ses partisans n'accepteraient pas que notre candidat soit élu à sa place. Un autre slogan utilisé explicité « Il n'y a rien en face, c'est maïs », ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'autre candidat que Gbagbo. C'est bien plus que cela, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges. La détermination de Monsieur Gbagbo à rester au pouvoir à travers sa célèbre affirmation « On gagne ou on gagne » doit être également interprétée à la lumière des discours et des faits que je viens de relater. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Signifie certes qu'il n'y a pas d'autres candidats aux élections présidentielles que Laurent Gbagbo. Mais ce slogan revêt également un caractère péjoratif et stigmatisant. Les planteurs de maïs, les vendeurs de maïs et les consommateurs de maïs se retrouvent majoritairement parmi les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. La réduction de l'adversaire politique et ses partisans à l'état de maïs participe de la chosification de l'ennemi et partant de la banalisation du mal qui pourrait lui être fait. La détermination de Laurent Gbagbo de conserver le pouvoir, quelle que soit l'issue du scrutin, s'exprime très tôt. Son slogan de campagne, qui a déjà été évoqué, est, je cite, « Avec Gbagbo, on gagne ou on gagne ». Fin de citation. IRN 0018-0100. Mais je voudrais dire un mot sur les slogans qui semblent être les chevaux de bataille aussi bien de l'accusation que du représentant légal des victimes, qui sont « on gagne ou on gagne » ou « devant ces maïs ». C'est vrai, peut-être qu'un Ivoirien aurait dû expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais « on gagne ou on gagne » est un slogan commun en Côte d'Ivoire qui est chanté partout, les manifestations où il y a candidature. Et je voudrais relever que celle qui en a fait une chanson, Antoinette Alani, a été celle qui a animé la campagne électorale de M. Alassane Ouattara lors des dernières élections. Pour tenter de prouver que le président Gbagbo aurait voulu se maintenir au pouvoir à tout prix, l'accusation s'appuie sur un slogan de campagne qui, d'après elle, révélerait cette intention cachée. On gagne ou on gagne. Si elle avait interrogé ne serait-ce qu'un seul Ivoirien, elle aurait appris qu'il s'agit d'une expression commune et ancienne en Côte d'Ivoire, devenue d'ailleurs un slogan utilisé par l'équipe nationale de football, les éléphants. Et vous aurez noté que la chanteuse qui en a fait une chanson était l'animatrice de la campagne électorale d'Alassane Ouattara. Comment alors attribuer ce slogan au président Gbagbo?
c'est maïs. Aussi, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec les planteurs de maïs. Et si on est en Côte d'Ivoire, on saura que tout le monde a un champ de maïs. C'est une nourriture de soudure dans tous les groupes de Côte d'Ivoire. Et donc, ces maïs ne renvoient pas à un groupe, mais renvoient à la céréale, qui est quelque chose de mou. Et c'est pour ça qu'on parle de ces maïs. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Là encore, il s'agit d'une expression courante en Côte d'Ivoire, née à l'occasion d'une émission de télé-réalité, et qui ne recèle de violence que dans l'esprit du procureur. Notons d'ailleurs que les chanteurs qui interprètent cette chanson sont majoritairement originaires du Nord. C'est maïs. Signifie certes qu'il n'y a pas d'autres candidats aux élections présidentielles que Laurent Gbagbo. Mais ce slogan revêt également un caractère péjoratif et stigmatisant. Les planteurs de maïs, les vendeurs de maïs et les consommateurs de maïs se retrouvent majoritairement parmi les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. La réduction de l'adversaire politique et ses partisans à l'état de maïs participe de la chosification de l'ennemi et partant de la banalisation du mal qui pourrait lui être fait. Hey, you are Ojibo se politika kade nyawa. C'est un enfant béni de Dieu. Allons-y pour la victoire. Ebidji c'est un patriote. Eh ou dinenyo. Aye. Oh nenyo. Aye. Laurent Gbagbo il va me tuer. Aye. Eh ou dinenyo. Aye. Oh Nenio, Laurent Gbagbo, il va me tuer. Non, n'est pas fanatique, aye, ni pro Gbagbo. On se bat sur la réalité pour choisir Gbagbo. On a vu ses assez, nous a convaincus. Aye. La décentralisation, l'école gratuite, la libre expression, assurance maladie. As-tu gobli, président de CVG? C'est à cause de Gbagbo qu'aujourd'hui nos yeux sont ouverts. Eh ou di nenyo, aye. Si plou nenyo, aye. Koudou nenyo, aye. Ye Laurent nenyo, aye. Si tu veux la paix, la liberté, le développement, ça c'est sa matière de base. Gbagbo a su lutter pour implanter la cohésion, bien réfléchi pour la dignité de la fille. Aye. Et Dieu, il a beaucoup souffert, il s'est beaucoup battu pour nous, pour l'amour de Dieu, et mon Gbagbo. Tu as gagné, oui tu as gagné, il est assez clairvoyant, c'est un bon bâtisseur, pour l'évolution sous tes noms Gbagbo. Il y a beaucoup
choisi Gbagbo. Ah, eh.